Salam alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu chers amis internautes, chers fidèles de lumière islamique nous sommes très heureux de vous retrouver et de partager avec vous une thématique qui nous concerne tous parents, enfants, adolescents et même au-delà, c'est l'ensemble de la société qui est concernée par ce sujet très très important sur les réseaux sociaux et leurs effets, voire même leur impact dans l'équilibre du couple, dans l'équilibre de la fratrie, dans l'équilibre de, de la famille. Et encore une fois, ça dépasse le cadre de la famille. Il y a un impact sur le développement économique, il y a un impact sur l'équilibre social de manière générale. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur euh, les effets des réseaux sociaux sur la famille. Son équilibre, son projet, son rêve, voyez son, son, son amour, l'amour familial, mais également offrir des réflexions pour trouver des solutions qui vont permettre de ne pas diaboliser les, les réseaux sociaux, mais de s'inscrire sur une perspective pour en tirer les meilleurs bénéfices possibles au profit du couple, au profit de la famille de manière générale et au profit des enfants en fonction de leur âge. Euh, pour aborder cette thématique, nous allons avoir trois grands points nous allons d'abord voir euh, ce qui fait l'équilibre euh, de la famille, ensuite nous allons voir les problèmes posés par les réseaux sociaux et nous allons finir avec des propositions de, de solutions pour voir que les parents peuvent ne pas subir les réseaux sociaux, mais ils peuvent eux-mêmes les le, le, le recréer dans la famille, dans la famille bien entendu élargie, puisque la famille, ce pas seulement papa, maman et les enfants. La famille est déjà un grand réseau quand il y a les oncles, les tantes, les amis. C'est déjà un réseau formidable dans lequel on peut évoluer, évoluer et s'épanouir. Donc, commençons avec euh, ce que c'est que la famille. Ce qui fait que la famille se stabilise, se développe et donne une certaine sécurité à l'ensemble des enfants. C'est d'abord la capacité des parents à donner des signaux très forts à chaque enfant que vous êtes important, vous êtes ce que nous avons de beaucoup plus cher. Et quand je dis ça, il ne suffit pas de le dire verbalement. Il n'est pas question de le dire seulement verbalement et de s'arrêter là. C'est dans les comportements même des parents qu'il y a ce signal. C'est un signal que les enfants perçoivent dans le comportement, dans le discours du, du parent. Ça veut dire par exemple que depuis les, les relations entre les, la maman et le bébé, notamment pendant les périodes, par exemple, d'allaitement. Nous avons déjà expliqué ça ici dans la lumière islamique, que le bébé regarde constamment, euh, il essaie de capter l'attention de la maman, il essaie d'avoir le contact visuel avec la maman. Et malheureusement, ce qui se passe de plus en plus, on observe que euh, beaucoup de, de, de mamans qui allaitent sont en même temps... Préoccupé. Ça peut être un stress professionnel, ça peut être également une, une vraie addiction en réalité au, au téléphone. Ça, c'est une vraie réalité, nous, nous, nous voyons ça dans, dans la vie quotidienne. Pendant qu'elle est, elle, la maman, sur son téléphone ou dans d'autres préoccupations, le bébé en permanence essaie d'avoir le visage de la maman, essaie d'avoir un contact visuel avec la maman, essayer d'entrer en émotion, vous voyez, dans un contact émotionnel avec la maman. C'est comme s'il essayait de voir s'il est en sécurité ou pas, s'il est important pour cette personne qui l'allait ou pas. Et les mamans qui réussissent cette phase-là vont donner un signal au bébé que tu es important. Ils vont regarder le bébé dans les yeux en même temps qu'il vont, Elles vont plutôt. poser leur téléphone à côté et montrer au bébé que cette partie où tu es avec moi, cette partie, elle est très importante. Et le bébé grandit comme ça. De l'autre côté, c'est possible. C'est-à-dire que si le bébé grandit avec des, des parents qui l'ont négligé à cause de leur téléphone, vous voyez, en grandissant même, le bébé essaie d'attaquer le téléphone. Beaucoup de parents peuvent, peuvent se rendre compte de ça. Le bébé essaie d'attaquer le téléphone pour que les, les parents fassent plus attention à lui et moins attention à leur téléphone. Et en grandissant, ces enfants-là nous reviennent, nous, dans, dans, nos, dans, nos, dans nos bureaux et on les consulte parce qu'on nous dit, ce sont les parents qui le disent, mon enfant est trop addict au téléphone, il est trop addict aux tablettes électroniques, il n'est pas concentré à l'école, il, il ne suit pas, il ne, il ne nous écoute plus. Mais il oublie souvent que pendant les phases les plus importantes de sa vie, c'est le parent, lui, qui était souvent dans son téléphone, alors que le bébé essayait d'avoir son attention. Donc ça, c'est des fondamentaux très, très importants. La capacité des parents à dire aux enfants, vous êtes important, et vous êtes plus important que tout, vous êtes plus important, évidemment, que les, les, les téléphones ou les réseaux sociaux virtuels dans lesquels on peut s'engager. Quand les parents donnent ça, l'enfant grandit avec ça. Donc ça, c'est très, très important. L'enfant grandit avec l'idée que les relations humaines, la chaleur humaine, l'affection entre les humains, les, les réseaux réels euh, par opposition aux réseaux virtuels, les réseaux réels sont très, 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 très importants. Et on peut également vous donner un autre exemple pour dire à quel point les signaux que les parents donnent sont importants. Notre euh, exemple à nous, euh, c'est évidemment le prophète Mohammed. Euh, une des très belles histoires qu'on raconte sur lui, euh, c'est qu'une fois pendant sa prière, euh, ses petits-fils Hassan et Hussein montent sur lui, jouent sur lui, et pendant qu'il est dans cette phase de prosternation, qui est une des phases les plus critiques dans la prière, il ne bouge pas tant que les enfants n'ont pas fini, donc Hassan et Hussein, que la paix soit sur eux, n'ont pas fini de, 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 de jouer sur, sur, sur ses épaules. C'est un signal très très fort qu'il a donné à ses enfants pour leur dire, vous êtes important pour moi. Vous voyez, ça, c'est des signaux très très concrets au-delà du, du langage. Donc, nous pouvons nous inspirer de ça, puisque vous savez à quel point la paix est importante chez les, chez les musulmans. Et pourtant, notre professeur, il ne bougerait pas. Tant que les enfants n'ont pas fini de jouer sur lui, en leur donnant un signal très, très, très fort que vous êtes plus important que tout. Votre équilibre moral est plus important que tout, votre équilibre émotionnel est plus important que tout, votre équilibre, votre sentiment de sécurité émotionnelle est très, très, très important pour moi et je prends ça très, très au sérieux. Donc ça, c'est des signaux très, 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 très forts que la famille doit donner aux enfants. Dans le couple, évidemment, c'est la même chose. C'est la même chose. À chaque fois que nous donnons à l'autre le sentiment que le, le contact réel, vous voyez, la relation affective est beaucoup plus importante pour nous, on a tendance à créer du bien dans les, dans, dans les deux sens. Donc ça, c'est autant de choses qui stabilisent un tout petit peu le, le, le couple et la famille de manière générale. Maintenant, voyons quels sont les problèmes que les réseaux sociaux nous posent à différents niveaux euh, dans la famille, euh, dans le couple, mais au niveau des enfants également en fonction de leur tranche d'âge. Euh, nous pouvons commencer avec le couple. Quand vous voyez que euh, les réseaux sociaux prennent une place très importante dans le couple, c'est un vrai problème que ça pose, mais en même temps, ça signale, euh, c'est un symptôme en même temps. Cela veut dire que pour que les réseaux sociaux prennent autant de place comme ça dans le couple, au point même de tuer, entre guillemets, excusez-moi l'expression, voyez cette notion même de couple, c'est qu'il manque déjà quelque chose dans le couple qu'on essaie de combler à travers les, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la, la, la chaleur affective qu'on devait se donner mutuellement, quelque part nous l'avons perdu, nous avons perdu cette, cette capacité à, à nous témoigner mutuellement de, de l'affection, à créer des conditions où tout le monde se sent en sécurité, de sorte que chaque partie du couple essaie de retrouver ces conditions euh, Maîtrisable un peu dans des réseaux qui ne sont pas des réseaux qu'on a en commun, mais chacun a son réseau social, vous voyez, en particulier. Et ça, ça pose un véritable problème, puisqu'en réalité, la distance va s'accumuler. La distance va s'accumuler dans le couple. Il y aura de moins en moins de couples. Et il y aura de plus en plus de réseaux sociaux virtuels. C'est-à-dire que plus les réseaux sociaux euh, prennent de la place, moins le couple a des chances de se, de se développer. Ça, c'est un véritable problème dans la viabilité même de la famille. C'est-à-dire que les familles aujourd'hui sont de moins en moins viables à cause d'une surprésence des, des, des réseaux sociaux, à cause d'un surinvestissement des parents dans les réseaux sociaux. C'est un véritable problème. Pour l'équilibre des enfants également, puisque la famille en communiquant moins, les parents en communiquant moins vont transmettre des signaux. Les enfants captent très très facilement que les parents ne sont pas en train de communiquer. Et ça, ça déstabilise les enfants. Certains enfants peuvent le dire facilement, mais d'autres souvent ne le disent pas et ils vivent ça dans leur cœur, ils le vivent dans leur corps avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur développement et leur équilibre psychologique et, et moral. Prenons le, le cas chez les, chez les enfants. J'ai expliqué tout à l'heure ce qui se passe avec les tout petits, notamment les, les, les bébés, pour vous dire que les conséquences peuvent commencer très très tôt quand ils voient que les parents sont addicts aux réseaux sociaux, quand ils voient que les parents sont addicts. Aux objets électroniques. Ce qui, ce qui fait que les, les, les enfants s'intéressent aux objets électroniques, en réalité, souvent, ce sont les parents eux-mêmes. Parce que les, les enfants n'ont qu'une notion d'intérêt. Quand les parents s'intéressent à, à un humain, les enfants ont tendance à s'intéresser à cet humain-là. C'est très intéressant. Quand les, 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 les parents s'intéressent à un téléphone, l'enfant va s'intéresser à l'objet qui intéresse les parents. Donc plus le parent accroît le, le, le temps qu'il passe euh, sur cet objet-là, sur le téléphone ou la tablette électronique et évidemment les réseaux sociaux, plus l'enfant le, le, imite et a tendance à reproduire le même comportement. Donc ça veut dire qu'en réalité, si les, les parents ont entre leurs mains la solution, puisque ce sont eux que les enfants ont tendance à imiter. Je, je ne veux pas tout euh, limiter aux parents, puisqu'il y a également la société qui agit d'une certaine façon. C'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la famille de manière un peu plus générale. Donc, les parents ont une solution entre leurs mains pour, en réduisant leur, leur, leur addiction aux, aux réseaux sociaux. Mais voyons toujours dans la progression, donc si l'enfant est addict, à ces objets-là. En grandissant, nous voyons très bien les, les conséquences que ça peut avoir sur sa capacité à se concentrer à des relations, dans des relations réelles. Par exemple, à l'école, nous voyons... Beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont en situation d'échec, alors que si vous allez dans leur maison, les parents ont tout investi pour que l'enfant réussisse. C'est-à-dire que euh, matériellement, il y a tout pour que l'enfant réussisse, mais malheureusement, les capacités de l'enfant à se concentrer dans des choses euh, de la vie de tous les jours, vous voyez, dans, dans dans les cours, dans dans la relation à l'autre, ces capacités-là sont très réduite à cause d'un surinvestissement qu'il a et d'une vraie addiction, on peut le dire, dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un véritable problème. Ensuite, vous avez toutes les conséquences en termes d'échec scolaire. Vous avez les conséquences en termes d'échec peut-être même dans la vie de façon générale. Vous avez toutes les conséquences en termes d'addiction et difficulté à entrer en contact avec, avec l'autre. Vous voyez, et difficulté un peu plus tard à. Évidemment, fonder une famille, parce que si vous avez des difficultés à entrer en contact, à rester dans une relation, vous aurez évidemment des difficultés à, à fonder une famille. Donc, ça veut dire que le, le comportement du, du parent aujourd'hui a un effet à très long terme sur l'équilibre des enfants, sur l'équilibre de la famille et même sur l'équilibre de la société puisque cet enfant-là risque d'avoir des difficultés lui aussi à fonder et à maintenir une famille. À contrario, si vous allez dans une autre famille où les réseaux sociaux n'ont pas pris tout ça de place, les enfants ont un modèle un peu plus stabilisé où ils ont plus de capacité à créer un contact avec une personne réelle, à rester dans ce contact-là avec cette personne réelle tant que c'est un contact qui est mutuellement bénéfique. Donc ils ont plus de chances évidemment de fonder une famille et de la garder. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce surinvestissement, la place exagérée que nous avons donnée aux, aux réseaux sociaux dans, dans, dans nos vies, elle a des conséquences à très court terme destructrices pour la famille et à long terme destructrices pour la société, puisque ce sont les familles qui composent la société. Imaginez maintenant mille familles toutes déstabilisées, vous voyez ce que ça donne comme, comme, comme poison en réalité pour la, pour la société. Mais ce qui se passe également, c'est qu'il y a malgré tout des outils que les parents peuvent utiliser pour ne pas tomber dans, dans ces travers. Les parents sont la première imitation des enfants. Les enfants imitent les parents. Donc très tôt, les parents peuvent jouer avec les enfants, peuvent éduquer les enfants, peuvent passer du temps avec les enfants, peuvent offrir, offrir du temps aux enfants. Il faut que l'enfant comprenne que euh, je suis important pour mes parents et encore une fois ça c'est pas que le parent le disent oralement c'est que les parents le parent le montre dans la vie de tous les jours prendre le temps de marcher avec son enfant vous voyez prendre le temps de parler avec son enfant que ce n'est pas que le parent n'utilise jamais son téléphone on ne peut pas nous passer de nos téléphones aujourd'hui voyez mais il faut qu'il y ait un temps limité pour le téléphone et un temps pour la relation avec sa famille, sa femme, son mari et la famille de manière un peu plus générale. Quand ce temps est bien organisé, les enfants n'ont pas de mal à accepter que le parent ait du temps pour lui. Et pendant que le parent a du temps pour lui, il peut se consacrer au, à son téléphone ou à, à autre chose. Mais ça, c'est après qu'il a offert du temps à sa famille. Et dans ce que le parent offre du temps à sa famille. C'est le parent lui-même en premier qui gagne, puisqu'en réalité, il a toujours dans ses mains l'autorité qu'il faut pour éduquer ses enfants et leur donner un chemin. Vous voyez, s'il ne le fait pas, c'est généralement l'extérieur ou les réseaux sociaux qui vont donner un chemin à nos enfants. Et généralement, ce n'est pas le meilleur chemin que nous aurons choisi. Donc ça, c'est vraiment très important que nous fassions attention à ça. Donc, offrir du temps dans diverses façons. Ça peut être dans les, les, les tâches domestiques, ça peut être vraiment que ce soit la cuisine ou pendant le, le repas. Prendre le temps de discuter avec les, les, les enfants, prendre le temps de marcher avec les enfants, prendre le temps, pourquoi pas même Il n'y a pas que du mauvais, et nous voulons vraiment accentuer ça. Il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Il y a même beaucoup d'excellentes choses dans les réseaux sociaux, mais pour que la famille puisse en tirer. Il faut que les, les parents et les enfants, donc ce soit le parent lui-même qui contrôle d'une certaine façon là où les enfants vont, vont aller. Et pour ça, il faut qu'il y ait déjà une relation entre le parent et les enfants. Autrement, les parents ne pourront pas contrôler ce que les enfants sont en train de vivre dans les réseaux sociaux. Et quelque part, malheureusement, des parents laissent faire les enfants parce qu'eux-mêmes, ils sont addicts aux réseaux sociaux et ils n'ont plus la l'autorité la, qu'il faut pour dire aux enfants arrête d'aller dans les réseaux sociaux puisque eux-mêmes voyez sont les premiers addicts aux réseaux sociaux donc nous avons besoin de faire très très attention à, à ça je l'ai dit donc marcher avec les enfants discuter avec les enfants dans la façon de donner des conseils aux enfants les conseils sont un cadeau précieux que nous donnons aux enfants et vous voyez même aujourd'hui les cadeaux physiques nous les mettons dans un joli emballage. Nous les emballons très très bien parce que l'emballage même fait partie du cadeau. C'est comme ça également quand nous conseillons nos enfants. Vous voyez, quand nous leur parlons, nous avons besoin de faire en sorte qu'ils sentent dans leur cœur qu'ils sont en train de se développer. Vous voyez, chaque relation avec les enfants doit être une opportunité pour les développer. Donc ça, ça permet à l'enfant de créer un premier réseau familial très très solide. Ensuite, il y a le réseau social réel. Je l'ai dit, la famille élargie. Il faut pouvoir aller rendre visite aux tantes, rendre visite aux, aux oncles. Donc ça, voyez, la, la famille vraiment dans le sens le plus élargi. Avoir de, de vrais amis avec qui on peut se développer ensemble, ça c'est un vrai réseau social. Donc les réseaux sociaux ne sont pas nés avec euh, Facebook ou, ou voyez, ces réseaux virtuels-là. Les réseaux sociaux ont toujours existé et les hommes ont toujours su créer des liens et les faire fructifier. Donc de la même façon qu'on peut se faire énormément d'habits, vous voyez, dans, dans, dans les réseaux sociaux, virtuels, dans les réseaux sociaux réels, avec l'accompagnement des, des, des parents, on peut créer des, des liens de qualité qui font que tout le monde dans la famille se sente en sécurité. Je parle de la grande famille de manière un peu plus générale. Dans les réseaux sociaux, virtuels maintenant, c'est là qu'on a énormément de problèmes, puisque quand on abandonne les enfants, à eux-mêmes, vous avez tous les problèmes qu'il y a dans dans la cybercriminalité avec la 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 pédopornographie, vous voyez, la, les 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 les, les cyberpédophilie. Nous avons énormément de 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 de, de, de cybercriminalité aujourd'hui dans les dans les réseaux sociaux et les parents doivent vraiment prendre conscience que c'est un véritable danger pour les enfants si on les laisse seuls avec les réseaux sociaux. Donc, c'est un véritable danger pour eux et les parents n'ont qu'un seul moyen pour éviter que les enfants soient exposés dans les réseaux sociaux. C'est que les parents prennent eux-mêmes du temps, investissent du temps sur l'éducation de leurs enfants, recréent une famille un peu plus stabilisée, prennent le temps de, 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 de faire ensemble des, des choses qu'on comprenne que le travail n'est pas plus important que la famille. Parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez pour nourrir votre famille et que vous ne pouvez pas éduquer votre famille, au final, votre travail va servir à acheter des tablettes. Ces tablettes vont permettre aux enfants de se connecter aux réseaux sociaux et c'est nous-mêmes qui aurons financé ce qui va détruire un peu les bases de d'autres familles. Donc, les, 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 les besoins matériels sont importants, mais be les besoins psychologiques, les besoins moraux, sont beaucoup plus importants et aujourd'hui, être un, un, un père de famille, une mère de famille responsable, ce n'est pas seulement d'amener à la maison ce que les enfants vont manger, c'est d'amener à la maison du bien-être, c'est d'amener à la maison une direction très claire où les, les enfants vont adhérer au projet et les enfants pourront se développer en tout cas avec beaucoup plus de ressources psychologiques dans leur cœur pour pouvoir à leur tour choisir ce qui est bien et éviter également ce qui est mauvais dans leur développement. Et ça, c'est les parents qui vont, dans leur façon d'éduquer les enfants, renforcer leur, 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 leur bien-être, renforcer leur confiance en soi, renforcer leur capacité à trouver leur place dans le monde. Et évidemment, on ne peut pas demander aux enfants de, de faire ça eux-mêmes. C'est les parents qui sont les premiers éducateurs, évidemment, des, des enfants. Donc, nous espérons que ces conseils euh, pratiques vont pouvoir vous aider à tirer le meilleur des réseaux sociaux, en sachant que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement les réseaux virtuels. Les réseaux sociaux, c'est également les réseaux réels, vous voyez, les réseaux que nous pouvons avoir avec la famille élargie. Et nous vous disons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.